Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau DIY. Et oui, ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait. Mais aujourd'hui, ça va être tout en couleur, comme vous pouvez le voir sur mon maquillage. Car tout simplement, je vais vous montrer comment fabriquer une tête de licorne en peluche pour accrocher où vous voulez. Donc en ce moment, je trouve que les licornes font vraiment fureur. On en voit de partout. Et en allant me balader sur Pinterest, je suis tombée sur des photos de têtes de licorne en peluche à accrocher sur les murs. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un DIY sur ça. Surtout que je trouve ça super mignon à faire. Donc je ne vais pas vous parler plus longtemps et je vais vous montrer comment fabriquer votre tête de licorne. C'est parti! Donc me revoici, me revoilà, et je vais vous donner tout de suite le matériel à utiliser pour la création de la licorne. Il vous faudra tout d'abord un très gros morceau de feutrine blanche ainsi qu'une petite feuille de feutrine rose, un rouleau de fil assez épais d'une couleur que vous souhaitez, moi j'ai pris rose, un vieux coussin que vous n'utilisez plus, une bobine de fil couleur pastel de différentes couleurs, un pistolet à colle, une bobine de fil blanche ainsi qu'une aiguille, une paire de ciseaux, un feutre noir avec la mine plus ou moins grosse, une planche de carton, de la peinture bleue ou une autre couleur selon votre préférence, différentes paillettes, une peinture rose à paillettes, et pour finir, du ruban assez fin blanc. Donc première étape, vous allez imprimer ces patrons qui seront en barre d'infos et vous allez ensuite les découper. Vous allez ensuite prendre un morceau de feutrine blanche que vous allez plier en deux et mettre le patron de la tête de cheval et vous allez ensuite faire le contour avec le stylo noir. Vous allez ensuite prendre une autre feuille de feutrine blanche et faire les deux autres formes. Il faut savoir que cette forme-ci, il va falloir la faire deux fois car ce sera les oreilles. Pour les oreilles, vous allez ajouter la feutrine rose juste en dessous de la feutrine blanche et bien faire attention à découper les deux en même temps. Pour la corne, une seule feuille de feutrine suffit. Pour la tête du cheval, faites aussi également attention à bien découper les deux feuilles de feutrine. Nous allons tout d'abord commencer par la corne. Vous allez donc prendre un fil blanc avec votre aiguille et plier la corne en deux. En prenant le côté où il y a les marques du stylo noir et vous allez commencer à coudre. Vous allez ensuite retourner la corne. Et avec le rembourrage de votre vieux coussin, vous allez faire le rembourrage de la corne. Et de nouveau, avec votre fil, vous allez refermer la corne.
Vous allez donc ensuite prendre la peinture rose à paillettes et vous allez en appliquer sur toute la corne. Et ensuite, prendre des paillettes roses ou la couleur selon celui de votre préférence et mettre sur toute la corne. Vous allez prendre ensuite votre fil plus épais et à l'aide d'un pistolet à colle, vous allez faire un petit point de colle au bout de la corne. Et avec l'extrémité de la corde, vous allez coller sur le point de colle. Et tourner le fil autour de la corne pour réaliser la corne de licorne. Et remettre un point de colle sur l'autre extrémité de la corde. Nous allons passer ensuite aux oreilles, même principe, vous allez coudre les deux feutrines blanche et rose en prenant le côté où on voit les traits noirs et vous allez coudre tout le tour de l'oreille sauf le dernier côté. Vous allez ensuite retourner l'oreille et comme pour la corne, faire le rembourrage. Évitez d'en mettre de trop pour l'étape suivante. Vous allez ensuite plier le bas des oreilles afin que ça fasse réellement une petite oreille et vous allez ensuite coudre le bas pour que ça tienne. Et vous allez faire la même chose pour la seconde oreille. Nous allons ensuite passer à l'étape la plus longue, c'est la tête de la licorne. Vous allez prendre de la feutrine de 70 cm de longueur et 6 cm de largeur. Et sur le côté de la tête du cheval, vous allez commencer à coudre une partie de la tête sur le grand ruban. C'est une étape qui dure assez longtemps, donc munissez-vous de patience. Donc vous n'allez pas coudre ici et vous allez couper le petit morceau de feutrine en trop. Puis vous allez prendre l'autre côté du cheval et coudre. Une fois terminé, vous allez faire deux petites encoches en haut de la tête de la licorne et vous allez passer l'oreille afin de l'attacher à la tête de la licorne. Donc pensez bien à mettre le côté rose de l'oreille vers l'avant de la tête pour qu'elle soit à l'endroit une fois qu'on retournera la tête de la licorne. Donc le principe de coudre à l'envers, c'est qu'une fois que nous allons retourner, on ne verra pas les coutures.
Nous allons ensuite passer au rembourrage de la tête de la licorne, comme pour la corne et les oreilles. Et une fois rembourré, vous allez reprendre un morceau de feutrine et nous allons tracer le cercle qui va fermer la tête de la licorne. Donc pensez bien à faire un rond légèrement plus grand. Et vous allez ensuite le découper. Pour attacher le rond, nous n'allons pas coudre. Nous allons prendre le pistolet à colle, ce sera beaucoup plus simple. Et nous allons coller tout le tour du rond sur la licorne. Faites vraiment très attention à ne pas vous brûler avec la colle chaude. Si vous êtes jeune, demandez à un adulte de vous aider. Et voilà le résultat une fois collé. Nous allons ensuite passer à la crinière et à l'aide de la bobine de fil, nous allons faire des ronds plus ou moins grands selon votre préférence et en faire vraiment plusieurs. Puis nous allons passer les ronds autour d'un fil qui va permettre ensuite de le coller sur l'encolure de la licorne. Et vous allez en faire plusieurs afin de remplir l'intégralité du fil. Ensuite, vous allez découper le bas des fils afin que ça fasse une réelle crinière. Et vous pouvez également passer un coup de peigne pour que ça soit moins précis les fils. Ensuite, avec le pistolet à colle, vous allez faire toute une rangée de colle pour ensuite coller le fil de la crinière. En pensant bien sûr à découper le fil qui dépasse. Ensuite, nous allons coller la corne de notre licorne, toujours à l'aide du pistolet à colle. Pensez à en mettre vraiment beaucoup pour être sûr que ça tienne bien. Et collez-le au milieu du front de la licorne. Ensuite, nous allons faire comme pour la crinière, mais cette fois-ci un toupet. Donc c'est le même principe que pour la crinière, prendre un fil et les fils de laine. Ensuite, avec le pistolet à colle, vous allez prendre votre petit fil blanc pour cacher les coutures de votre licorne. Donc c'est une étape vraiment très délicate, donc prenez vraiment votre temps pour éviter tous les plis éventuels. Le fil donnera une finition beaucoup plus jolie de votre licorne. Ensuite, à l'aide d'un petit morceau de feutrine que j'ai peint en noir, j'ai fait un œil. Donc ça, c'est selon votre préférence. Vous pouvez mettre un œil déjà créé que vous aurez acheté ou comme moi créé avec de la feutrine. Et j'ai fait également une petite pommette sur la licorne pour qu'elle soit joyeuse, avec la feutrine rose. Ensuite, avec le dernier patron, vous allez faire sur le carton la forme du socle de la tête de la licorne, que vous allez ensuite découper. Et avec la peinture bleue ou une autre couleur selon votre préférence, nous allons peindre notre cadre. Donc pensez à faire une ou deux couches vraiment pour être sûr qu'il y ait assez de peinture. Et durant la seconde couche, mettez des paillettes pour que ça fasse vraiment beaucoup plus licorne, féerique, girly. Une fois que c'est sec, nous allons pouvoir coller la tête de notre licorne. Et encore une fois avec le pistolet à colle et en pensant à mettre vraiment une tonne de colle pour être sûr que la licorne tiendra bien sur notre cadre.
Ensuite, sur les bords, nous allons cacher vraiment le socle en mettant une sorte de tresse que j'ai créée avec la bobine de laine, vraiment pour donner un rendu beaucoup plus joli et qu'on ne voit pas les petits défauts en dessous. Et une fois décoré à notre goût, voici le résultat. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que le rendu vous plaît. N'hésitez surtout pas à m'envoyer sur les réseaux les photos de vos têtes de licorne. Ça me fait toujours plaisir de regarder vos créations. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. You could change it.